GR20, let's go. Voilà, on a fait 3 km, on est parti de Conca direction Paliri. Premier couchage, 13 km à peu près, donc journée tranquille. Demain sera la plus dure journée du GR Sud. Donc, on a en moyenne 15 km par jour et 1005 de dénive. Voilà, c'est parti. Si vous avez suivi mes dernières stories, il y a 3 semaines, j'ai eu une petite tendinite au genou. Donc, je pars avec des straps. J'espère que ça va le faire. J'ai fait 3 semaines de repos, kiné, ostéo. Bon, voilà, on croise les doigts. On est parti pour 12 jours de rando sur ce beau GR20. Go! On est parti à 4, il y a mon frère et 2 amis. On a 2 tentes, 2 binômes. Au niveau matériel, on est un petit peu séparés. On a 2 réchauds, 2 tentes. Bon, après, c'est du matos commun. Donc, dans l'éventualité où un groupe doit se séparer de l'autre, on peut. Voilà. Donc là, on a pris un peu de hauteur, du coup, on a une belle vue sur la mer. Un petit peu bouché. Et direction Bavela, on y passera demain. Ce soir, d'ailleurs, un gros orage d'ailleurs sur Bavela. Espérons que nous, on n'ait pas trop de flotte. Il y a des petites gouttes qui tombent là. Voilà, en tout cas pour l'instant le genou ça va. Espérons que ça dure. Go!
Et voilà, 13 km et demi, on arrive au refuge de Paliri. On a marché à peu près 4h30 avec une pause pique-nique. On est parti vers 11h là ce matin. C'était bien cool, paysage varié, on a essuyé un orage. On était vraiment à côté de l'orage. Donc on n'a pas eu le pire, mais bonne averse. On était content du coup d'avoir les pantalons pluie et bien sûr les vestes. Les pantalons, on avait hésité à les prendre. Ben, dès le premier jour, ça a servi. Donc très bien. Voilà. Sinon, ben, moi le genou, j'ai une petite douleur, mais ça va, rien d'alarmant. Alors c'est sûr que ça risque de pas aller sur le mieux et d'empirer au fil des jours, mais bon, c'est largement supportable. J'ai pas de grosses douleurs en descendant. Les straps, c'est vraiment pas mal, ça soulage bien. Je verrai même l'autre genou, parce qu'à la toute base, il y a plus de 2 ans, j'avais plutôt mal au genou droit. Si ça se trouve, si je vois que je commence à avoir un peu mal, je lui ferai un petit strap aussi. Quitte à avoir le matos, autant s'en servir. Allez, eh ben, on va au refuge, on va planter la tente, manger. Je vous ferai peut-être ou ce soir ou un autre soir un petit peu le setup couchage. Vous montrer un peu tout ce que j'ai amené. À ce propos, bah, n'hésitez pas à voir la vidéo, ma dernière vidéo, mes deux dernières vidéos du sac à dos. Il y en a une où je détaille vraiment tout complet et une où j'ai fait quelques optimisations pour gagner 1 kg. Celle à quoi j'ai rajouté une optimisation de dernière minute. J'ai viré le drap de soie et j'ai mis un legging. Pour 40 grammes de plus, au moins j'ai le legging pour randonner s'il fait froid. En plus du short. Donc voilà, sinon dans les vidéos, vous avez en description des vidéos de ça, vous avez un lien Lightpack avec tous les items, tous les poids, donc vous avez tout vraiment le détail. Je vous mettrai le lien de tout ça dans la description de cette vidéo de toute façon. Voilà, go! Et voilà, bivouac installé à Paliri. On va voir le lever de soleil là-bas. Au top. Voilà, pour le dodo, du coup, nouveau matelas Big Agnès. 64 de large, presque 10 de haut. Il devrait être bien cool. Air value de 3. Et du coup, bah, j'ai pris le Kilt Thermarest, 0 degré confort. Donc voilà, on devrait être bien. Résultat demain. Il fait pas très très froid pour l'instant. Voilà. On va profiter quand on avait le temps pour faire un peu de lessive. Même si c'était pas impératif, mais comme ça, vu que demain on aura une grosse journée, on n'aura pas le temps à mon avis. Donc j'ai mis de l'eau et du savon dans le petit sac étanche là. J'ai mis tout mon linge dedans. J'ai fait ma tambouille. Et après j'ai tout bien 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 essoré et mis au soleil pour que ça sèche. Walou. Petit étendage. Jour 2, aujourd'hui on fait Paliri Croce. On passe par la variante des crêtes de Bavela, donc ça devrait être assez beau. Refuge bien, on a mangé pâte au veau, assiette de charcuterie, assiette de fromage. Petit
petit concert de guitare par le tenancier des lieux à la fin du repas. C'était bien sympathique. La nuit chaude, on va dire, il faisait 12. J'ai jamais dormi par plus de 10 degrés. Je crois que mon record c'était 7 la dernière fois. Du coup, bah, j'ai plutôt eu même un peu chaud. Le kilt 0. Donc voilà, je préfère quand même avoir un petit peu chaud que avoir froid. Le matelas assez confort, je vais le gonfler un tout petit peu moins, voir. Mais j'ai l'impression qu'il m'a été plus confortable que le City Summit Etherlight. Du coup, bah, très cool. Voilà, on a tout plié, réveil 5h30, lever de soleil 5h45. 7h le départ. Là on a 20 bornes avec 2000 plus de dénive. Donc grosse journée. Mais il fait beau. Donc c'est cool. C'est parti. Là, bavé là. On va le sentir. De Bavela, on a fait une petite pause café croissant et c'est parti pour une bonne grimpette par là-bas. Thank you.
Midi et demi, on arrive au refuge d'Assino. C'est un peu plus de 12 km. 1003 de dénive. Donc il reste 7 km à faire. Et 700 de dénive pour cet après-midi. On va casser la croûte. Ça repart. On va là-haut. Pour finir la journée après à Croce. Voilà, on vient de là-haut, descendu comme ça, remonté là. Là, on arrive à Assino. Et on va poursuivre encore une petite étape, demi-étape, pour arriver à Croce. On doit encore monter là-haut et redescendre. On a fait 15 bornes, il en reste 5. Voilà, un bon programme pour cette milieu d'après-midi. Go! Ah, c'est dur, dur, hein? On subit tous un petit peu après le repas. Ça a été dur de redémarrer. Et là, une bonne montée. On vient d'en bas là. Il est 11h donc on était là-haut. Allez, motivation. Ouais, ça continue de grimper. Voilà dans quoi on évolue là. Des gros blocs de granit. Presque tout droit. Dur, dur. Allez, dernier D+ de la journée. 10 mètres. Bon, ceci dit, c'était pas prévu cela. On dort là, hein. Les nuages qui étaient à l'heure, ils étaient en bas, là, pas trop cher. Les mecs, ils sont tous allés par cœur. Une heure après, le top. Et voilà, c'est un sudine, ça. Bon, ça commence à être loin, là, où on est parti hier. Ouais. Ouais. Parti là-bas derrière. On voit pas le refuge là. Si, il est là-bas. Oh, regarde. Tu vois, il y a un petit bout de piste, après un autre bout derrière. Par rapport à la neige, c'est où? Ah, le ouais. Truc qui brille là-bas en face. D'accord. Ah, sous droit quoi. On ouais, fait par le maquis. Presque droit. Ouais. Bon, on descend sur le refuge là. Enfin, c'est une bergerie en fait. C'est pas un refuge celui-là. C'est pour ça que ça permet de faire une demi-étape de plus. Petit point sur le genou. Ça va pas trop mal. Des fois, j'ai la douleur qui revient.
Puis des fois elle repart, c'est bizarre. Alors là on descend, donc c'est là où j'ai le plus mal, hein. Comme tous ceux qui ont des douleurs au genou. Mais bon, là on a déjà fait 20 bornes, donc il a déjà bien encaissé. C'est ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'a priori après quand on fait du plat ou qu'on se repose, il récupère assez vite. Genre là à midi, j'avais un peu mal avant de m'arrêter, je suis reparti, ça allait. Hier soir, un petit peu mal en fin de journée, ce matin ça allait. Donc si ça continue comme ça, c'est parfait. Voilà. Sinon, bon, je ferai un retour d'expérience complet sur le matériel, mais je suis bien content de tout ce que j'ai amené pour l'instant. Notamment le sac. Là, je suis parti avec 10 kilos de Konka. Bah, c'est nickel, quoi. Franchement, ce matin, j'ai remis le sac pas mal aux épaules. Donc, très bon signe. Voilà, ça va s'alléger là au fil des kilomètres de toute façon. Et Vizzavona, ravitaillement, donc on va reprendre encore de la bouffe. Crampons et piolets si nécessaire. Pour l'instant oui, mais ça évolue de jour en jour. On fera le point. Donc je risque de partir avec Vizzavona avec 11 kilos à peu près. Donc un kilo de plus lié à l'équipement neige. Donc voilà, affaire à suivre. Là, on a hâte d'aller à la bergerie en espérant ne pas arriver trop tard pour manger un bon plat de lasagne. Go! Bon, la journée s'est bien finie au refuge de Croci. Vraiment, enfin, un refuge, c'est une bergerie. Moment top, super accueil, super bouffe. On a mangé un bon plateau, plat de lasagne, charcuterie en entrée, fromage. Et ce matin, on a pris le petit déj là, du coup, et on s'est partagé une petite omelette. Donc c'est bien cool. Il a un peu plus de nuit, mais bon, rien de dramatique. Là il fait pas très beau, il risque de pleuvoir encore. On a un passage sur des crêtes qui est un peu délicat s'il pleut. Donc on verra comment ça se passe. Sinon la journée c'est facile, 13 km, 700 D+, 400 D-. Donc c'est tranquille. Hier finalement sur la fin de la rando, c'était assez plat, mon genou il est revenu, la douleur est un petit peu repartie. Là ce matin ça a l'air d'aller, donc plutôt cool. C'est parti pour le jour 3.
fait la pause déjeuner dans la forêt avec fromage et saucisson acheté la veille à Cross. Donc ça, c'est pas mal de jouer comme ça au lieu de tout porter en autonomie complète, d'acheter régulièrement des choses. Et là on attaque, on sort de la forêt qui était bien sympa. Là on attaque les crêtes. Donc il y a hors du vent. Et ça va être un petit peu vertigineux apparemment. On va en prendre plein les mirettes. C'est parti. Et on se dit que ça peut être cool de remonter, ça s'est bien éclairci, de remonter un petit peu pour aller voir le coucher de soleil. Donc go. Et ça repart. Jour 4. Aujourd'hui on va verder 15 km, 700 des plus, 1500 des moins à peu près. Donc un petit peu plus costaud qu'hier. Hier c'était cool. Ça nous a remis de la journée d'avant-hier et en paysage on a vu tout, c'était bien sympa. Voilà. Ce refuge, il y avait beaucoup de monde. On a mangé lyophilisé. On a juste pris des bières.
Et ben, midi, ça sera encore charcut de fromage. Voilà, on a fait notre petit linge. Il y a des, ce que vous voyez, les trois cabanes là, c'est des douches chaudes, très chaudes même, trop chaudes. Donc ça fait du bien, c'est bien lavé. Voilà, et bien c'est parti. Direction les crêtes, ça monte direct aujourd'hui. A plus! On voit bien hein, l'étape 2 là, Insudi, nous on est monté à 2200 mètres et là-bas c'est le gros névé de neige là qu'on avait passé avant d'arriver au refuge, étape 2 et la 3, ben, après on était plus bas là-bas. On va aller rejoindre cette belle piste là qui monte. C'était bien sympa ce passage de crête, un petit peu en escalade. Un aperçu du nord. En tout cas, on a beau temps aujourd'hui, top. On commence à attaquer la crête que je vous ai montré tout à l'heure et on était en face. Les nuages montent. C'est parti. Thank you.
Ah, la rando touche bientôt à sa fin, il nous reste quelques kilomètres de descente. Là on vient de tout là-haut là. Physiquement les jambes ça a pris un coup, les genoux, tendons des chevilles, aussi les muscles des cuisses. Les montées aussi étaient bien costauds. Donc là on va prendre un petit café à un refuge et puis après on descend à notre refuge de dortoir où on pourra manger une bonne grillade apparemment. Ça va faire du bien pour cette journée. Voilà, en tout cas, c'est super beau. On en a pris plein les mirettes avec les nuages en fin de parcours et soleil au début. Un pur régal. Allez, on continue. On arrive au refuge de Prati, on va faire une petite pause café. Après, il nous reste 2,5 km jusqu'à Verde. Et ça sera fini pour aujourd'hui. On aura eu une sacrée ambiance avec cette brume. On termine la descente là, tout droit. Quelques petites gouttes qui tombent. Peut-être un risque d'orage ce soir. On verra. Hein, on était tout là-haut. Retour dans la forêt. Hello, hello, jour 5, réveil en forme, après une bonne nuit de repos. Ah, c'est la première nuit où je dors presque non-stop, donc ça fait du bien, j'ai dû dormir 7-8 heures là, donc ça m'a bien réparé, parce qu'hier la journée a quand même été bien difficile, je suis arrivé avec les jambes bien fatiguées, genoux fatigués, muscles, chevilles, tout fatigué quoi. Là ça repart bien, on va à Capanel et soit on passe par les crêtes qui sont en dessus des Pozzi, ça c'est une variante du GR, mais on va se renseigner à la bergerie qui est un peu plus bas parce qu'il y a peut-être des passages enneigés encore, donc voilà, et sinon on prendra le GR normal, donc en gros on va faire 12 ou 15 km suivant le tracé et le dénive entre 1000-1005 positifs et 1000 négatifs, je crois. Donc une bonne journée, il fait beau, c'est parti. Et petit mot sur où on a mangé hier, c'était bien cool, grillade feu de bois, c'était bien sympa. C'est pas un refuge du GR ça, c'est au bord de route, du coup il y a un peu plus de confort au niveau sanitaire et tout. Eau chaude, WC avec papier, les petits détails qui comptent. Allez, c'est parti.
On s'approche du refuge des Pozzi. Mais j'ai mon autre genou. Hier soir, j'avais mal. Une douleur bizarre, c'est en plein milieu du genou, sur le dessus, comme si j'avais cogné et que j'avais un bleu. Et là, ça tire pas mal déjà, alors qu'on n'a pas fait énormément de dénive. Donc je sais pas ce qui va advenir de cette journée. Mais il va peut-être falloir que j'adapte à la situation. Affaire à suivre. Pause. J'ai mis un peu avec la poche à eau, j'ai mis de l'eau fraîche dedans, je l'ai mis sur mon genou. On s'est arrêté, ça m'a fait du bien. Bon, ça va pas, à mon avis, dans un quart d'heure, ça va repartir. Mais voilà, donc là, le choix c'était ou de récupérer le GR normal avec un sentier un peu moins technique, on va dire, mais plus long, ou faire ce qui était prévu, c'est-à-dire de monter là sur la crête, faire toute la crête, puis du coup après il y a une descente costaud sur Capanel. Donc bon, on va quand même tenter. Dans les montées ça va pas trop mal, sur la crête ça devrait pas être trop compliqué, et la descente, eh ben, j'ai déjà fait l'an dernier, hein, descendre avec une jambe qui boite. Le seul problème c'est que ça met au moins deux fois plus de temps, quoi. Donc voilà. Du coup, on est parti pour ça. On va voir ce que ça donne. Espérons qu'on ait fait les bons choix et espérons que le genou se dégrade pas trop. C'est parti, en tout cas, les posines, c'était vraiment beau là. Son gorgé d'eau, il y avait le soleil, ciel bleu. Magnifique. C'est parti!
Bon, j'ai avancé sur la crête, c'est bien lunaire. On doit aller tout là-haut où il y a la croix. Et après ça sera descente. Et là je vais en chier sévère avec mon genou qui boite. Sur le plat et la montée j'avance mais deux fois plus doucement quoi. Puis la descente, il faudra que je m'appuie sur l'autre, celui qui a mal, qui avait mal jusqu'à maintenant. Équipe de gagnants. On va y arriver. On vient de descendre ici, on a plus de 2200 mètres, pas mal de passages escarpés, mais ça passe, doucement mais sûrement. Voilà, on est quasiment sur la dernière montée de la journée. Go! Dernier des plus du jour. Ah, on voit le toit là, c'est ça? La descente, on vient de tout là-haut derrière moi. C'était, ça valait le coup malgré le mal au genou. Je regrette pas. Je le regretterai peut-être demain. On verra au réveil. Demain, on descend dans la matinée à Vidzavona à midi. On a petit resto avec la copine de mon frère qui nous fait un ravito pour la partie nord. Donc possiblement on récupère les crampons piolés, on récupère aussi des lyophilisés. Possiblement on arrête tous parce que la météo, il y a beaucoup d'orages apparemment de prévu. Possiblement numéro 3, j'arrête
moi parce que le genou ça va pas. Donc la suite demain. Pour aujourd'hui c'était bien cool en tout cas. Les podzines je connaissais déjà. J'ai une petite vidéo sur des 5 vidéos à faire en Corse qui est sur la chaîne YouTube. J'y étais déjà passé, mais j'étais pas monté en haut. C'est vrai que vu d'en haut c'est super. Bon voilà, allez, eh ben, descente au refuge. A plus. Voilà, on aperçoit Capanel, c'est une petite station de ski. Encore un petit peu de descente. Moi j'arrive à descendre là, bon mes genoux, les deux me disent « t'es un gros connard ». Ils sont pas contents. Il y a celui qui a aidé l'autre jusqu'à maintenant à s'en sortir, qui maintenant est malheureux, donc les deux sont fâchés, voilà. C'est comme ça. Allez, on descend, on verra demain matin au réveil comment on est. Go! Voilà, en regardant derrière, je viens de tout là-haut. Il y a à peu près 1000 de dénive. Levé du camp, pluvieux. Bon, départ de Capanel sous la pluie. On va direction Vidzavon. La nuit n'a pas été mauvaise. Et bon, le genou ça va un peu mieux là. Au réveil, on va voir ce que ça donne. Cela j'ai quasiment que de la descente. Donc voilà. Affaire à suivre. Parti pour 15 km à peu près. C'est parti. On a fait quelques kilomètres, petit point genou, ça va quand même pas trop mal. Je pense qu'arriver en bas, il aura mal, mais là ça couine un peu, hein. C'est pas top top. En tout cas hier, je me disais que si ce matin j'étais le genou raide, peut-être qu'il allait falloir arrêter. Là, ça laisse quand même envisager de poursuivre. Voilà, on refera le point tout à l'heure. Cet après-midi, nous, on a une demi-journée off, donc ça va reposer le genou aussi. Hier, en arrivant au refuge, j'ai mis de l'eau fraîche dans ma poche à eau, Knock, et je l'ai mis sur mon genou. Ça m'a fait du bien. Le soir, j'ai un peu massé, j'ai mis du Voltaren. Et j'ai pris un Doliprane. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, il flotte, il flotte, il flotte. Ce sera l'occasion de bien tester le sac atelier longue distance. Qui est pas mal étanche. Ceci étant,
Toutes mes affaires sont dans des sacs étanches après. Voilà, donc pas trop de risques. Allez, on continue. Sous ce beau soleil. Garde le moral. Maintenant, on va attaquer la descente. Et terminus, il est 10h. Une belle descente en forêt sur Vidzawana. Et à cet endroit-là, vous avez la cascade des Anglais. C'est un endroit où vous pouvez faire une petite balade, une petite rando. Il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui vous montre cet endroit. 5 randos à faire en Corse. C'est vraiment sympa. Alors oui, initialement on devait aller à la gare. Et finalement on va au col. On a réussi à réserver un bungalow dans un camping. Parce que cet après-midi normalement on devait faire bronzette à la cascade des Anglais sur les rochers. Mais vu qu'il pleut, au moins on aura un toit. Et ben ce matin on est parti pas mal la faire tremper aussi, donc on pourra faire un peu de logistique séchage et moi repos du genou cet après-midi. Donc voilà pour le programme. Go! On approche du col, on se croirait en Ardèche, châtaigneraie. La journée va se terminer et le GR20 Sud également. Bon, ben, matinée pluie, du début à la fin. Bon, ça m'a pas trop dérangé. Genou, bon, j'ai réussi à avancer quand même à rythme pas trop dégueu. J'ai du mal à le fléchir, donc je fais plutôt forcer l'autre, celui qui était blessé à la base. C'est lui qui a pris le relais. Là on va se poser la demi-journée au camping. Ça va reposer et puis j'ai le moral et je pense que ça peut le faire, hein. Même ça le fera un peu dans la douleur, mais on va tenter de poursuivre. La météo c'est pas brillant, mais c'est pareil, autant le genou que la météo, si vraiment c'est trop compliqué, on sortira du GR20, on rejoindra une ville et puis un coup de VTC ou quelque chose comme ça et retour à la casa. En tout cas, dans l'idée d'aujourd'hui, en cette fin de GR20 Sud, c'est de poursuivre au nord à partir de demain. Voilà. Allez.
Voilà, on entend la route. D'habitude, quand je suis en rando, ça me fait un peu chier. Mais là, ça annonce la fin de ce GR Sud. Je suis super content d'avoir déjà réalisé ça. On a vraiment vu des choses magnifiques. J'espère que ça sera assez bien retranscrit dans la vidéo. N'oubliez pas que quand je vais publier cette vidéo, j'aurai déjà mis en ligne une vidéo sur retour d'expérience du matériel. Donc n'hésitez pas à la consulter, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. On va poursuivre sur une deuxième vidéo pour la partie nord. Je vais séparer en deux. Du coup, n'oubliez pas de vous abonner pour voir la suite et activer la petite cloche pour avoir la notif. Un petit pouce bleu pour me faire plaisir. Nous, là, on va aller au camping du soleil, se poser pour l'après-midi avec pizza, apparemment, qui sont réputés les meilleurs du GR. Ceci étant, depuis Conca, on n'en a pas vu, donc c'est pas très dur. Mais pareil, qu'elles sont bonnes pour de vrai. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le tracé, l'équipement, etc. en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Côté genou, ça se termine pas trop mal aujourd'hui. J'arrive à marcher presque normalement, je boitille un petit peu, c'est la flexion qui a du mal. Donc c'est pour ça que dans les descentes c'est plus dur, et en montée, si je dois faire un gros effort, je me sers beaucoup des bâtons et aussi de l'autre jambe. Qui au final, la gauche a quand même bien récupéré là. Elle est pas trop mal quoi. Heureusement, parce que si j'aurais les deux flingués, ça aurait été dur. Allez, on se dit à la prochaine vidéo GR Nord. Sur ce, pizza!